Alors j'aimerais vous adresser au nom de la ville de Genève et en mon nom propre, comme je l'ai fait dans d'autres médias, mes voeux les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2012. Le début d'une année, c'est l'occasion de regarder dans le rétroviseur, de voir ce qui s'est passé l'année précédente. 2011 n'était pas une année pire que les autres, pas meilleure forcément non plus. Elle a laissé son lot de souvenirs bons ou mauvais à titre personnel à chacune et à chacun. Mais elle a peut-être au niveau de la communauté, au niveau global, laissé une impression de méfiance et d'inquiétude en lien avec la situation économique. Alors je souhaite, puisque le début de l'année c'est aussi l'occasion de former des vœux, que 2012 soit une année durant laquelle on puisse retrouver une certaine sérénité, une confiance dans le système économique et politique. Et pour ça, ça nécessitera que ces acteurs, les acteurs économiques et aussi les acteurs politiques, fassent un effort particulier, et j'en fais partie, pour, de façon transparente, expliquer ce qui se produit, donner le sentiment à la population que nous avons une maîtrise sur le cours des choses et faire en sorte également que chacune et chacun puisse jouer un rôle dans cette société, dans ce dispositif commun. Pour la ville de Genève, eh bien, c'est rappeler que nous pouvons tous, à notre niveau, avec notre sens des responsabilités, agir sur notre quotidien, faire en sorte que nous nous sentions bien dans notre ville. Ça commence par les petits gestes de tous les jours, en matière de déchets, en matière de sécurité, en matière d'environnement. Et j'espère que durant cette année 2012, eh bien, chaque Genevoise et chaque Genevois aura l'opportunité de se rendre compte de la chance qu'il a de vivre dans cet environnement si particulier, mais de la responsabilité également qu'il a de devoir l'entretenir, que rien n'est acquis et que tout est encore à conquérir.